على الوطنية الثانية، درس جديد من دروس البكالوريا. كنا بدينا معكم مجموعة من الدروس، راجعوا مع بعضكم أو نراجعوا مع بعضنا لامتحان البكالوريا إن شاء الله بنجاح لتلامذتنا اللي تبعوا فينا الكل. دو توت فاسون الدروس هذوما توا دروس نتاع التروشيك، أكل حكاية صغيرة بالكل اللي تستحقوها أنتوما باش تكون إن شاء الله الامتحان نتاعكم تكونوا مرتاحين فيه، ثم تبدأ عندكم ليزاستيس الكل اللي تنجموا تنجحوا بها أن إكزامان. وكل أسئلة الأخرانيين كي تلوجوا هكا شكون ينجم يعطيكم فيهم إجابة شرب، باش تلقاونا معاكم كل يوم 7:30، وهذا موعد استثنائي معاكم لمادة الاقتصاد. باش يكونوا حاضرين معنا كيما كل يوم مجموعة من الأساتذة، الأكفاء من أحسن ما عندنا من الأساتذة باش يكونوا موجودين يجاوبوا على أسئلتكم أنتم على 71 845 300، وألا 71 848 808. نعاود لكم 71 845 300، وألا 71 848 808. إذا كان عندكم سؤال في مادة الاقتصاد الأساتذة باش يكونوا حاضرين معنا. خنبدأ نستقبل ضيوفنا اليوم في البلاتو. مدام هدي عبد ربو أستاذ أول، مرحبا بك مدام هدي. سي بشير البجاوي أستاذ أول، مرحبا بك سي بشير. مدام ألفة مزوغي أستاذة أولى زادة، مرحبا بك مدام ألفة. وسي فوزي القمودي أستاذ أول، مرحبا بك، نورتونا في فورما يا جماعه. حاضرين ناخذوا مكالمات التلامذة نتاعنا واللي عندهم سؤال بيان سور في ماده الاقتصاد. 71 845 300، 71 848 808. نمشيو للانكس ومجموعه اخرى من الاساتذه، متفقد ايضا اول موجود، نرحبوا بهم. مدام ماجده سيار العياري، متفقده المدارس والمعاهد الثانويه بيان سور، متخصصه في ماده الاقتصاد. مرحبا بك مدام. مرحبا، مع السلامه. نرحبوا زيدا بمدام سامية الفهري أستاذة، مرحبا بك مدام سامية الفهري بن يوسف، مرحبا. دونك مدام بثينة الملوحية أستاذة، مدام بثينة الملوحية أستاذة أولى أيضا. ليكم أنتم نعاود نذكر برقم الهاتف 71 845 300، وألا 71 848 808 للتلامذة اللي تحب تكون معنا في السويعة من زمان هذه حتى الخمسة بتاع العشية وعندها أسئلة وعندها سؤال للأساتذة اللي حاضرين معنا. نعطي الكلمة الأولى للسيدة المتفقدة مدام ماجدة سيار العياري، تفضل مدام. بونسوار. Bien sûr, dans cette, au cours de cette émission, nous allons nous adresser aux élèves du baccalauréat et plus particulièrement aux élèves de la quatrième année économie-gestion qui vont passer l'épreuve d'économie le jeudi 5 juin de 8h à 11h. Notre épreuve de coefficient 3 est conçue de la même manière que les devoirs de synthèse qu'ils ont passés au cours de l'année. Alors, l'épreuve d'économie, elle comporte deux parties indépendantes. La première partie est composée de trois questions indépendantes, dont une est accompagnée d'un document. Alors, le document peut être un texte, un tableau statistique ou un graphique. Cette question accompagnée par un document est notée sur 4 points. Les deux autres questions sont notées chacune sur 3 points. Quant à la deuxième partie, elle se compose d'un sujet de synthèse accompagné de 2 documents. Là, mes chers élèves, vous devrez traiter cette partie sous forme d'une dissertation économique. Alors, pour cette deuxième partie, je vous conseille de ne pas oublier les recommandations qui ont été données par vos professeurs au cours de l'année. Un deuxième conseil pour bien gérer votre temps, je vous conseille aussi de commencer votre devoir par la première partie et de commencer par la question qui vous semble la plus facile. Sachant que ces deux parties sont indépendantes, donc il vaut mieux commencer par la question l'essentiel, la question la plus facile. L'essentiel est de numéroter vos questions. J'espère que cette séance vous sera utile à réaliser une bonne révision. Sur le plateau, comme on vous l'avait dit, 4 de vos professeurs ont le plaisir de vous aider et de répondre à vos questions pour, bien sûr, réviser, réaliser une bonne révision. Je vous souhaite la réussite dans vos études et dans la vie aussi. Alors, la première question qui nous est parvenue, elle a porté sur le taux de croissance annuel du PIB. Et donc, la question est, une baisse du PIB signifie-t-elle nécessairement une baisse du taux de croissance annuel du PIB? Signifie-t-elle nécessairement
une baisse du produit intérieur brut. Je répète la question. Une baisse du taux de croissance annuel du PIB signifie-t-elle nécessairement une baisse du PIB? Merci. Madame Olfa. Donc, comme ça, la croissance, chapitre Mohamed Barcha. C'est sûr, Général Barcha Asala. Oui. Pardon, madame. Donc, je reprends la question. Alors, la question, une baisse du taux de croissance annuel signifie-t-elle nécessairement une baisse du PIB? Oui. Alors, une baisse du taux de croissance annuel du PIB. Merci, madame. Signifie-t-elle nécessairement une baisse du PIB? Alors, je conseille les élèves, surtout de souligner les termes clés de la question et la consigne, là où les comptes, de dégager la consigne de la question. Alors, on relit la question, une baisse du taux de croissance annuel du PIB signifie-t-elle nécessairement une baisse du PIB? Le terme clé ici, alors, c'est la baisse donc, du taux de croissance du PIB, la baisse du taux de croissance annuel du PIB. Il s'agit là de montrer donc si la baisse du taux de croissance du PIB, alors le taux de croissance annuel, est accompagné ou est accompagné donc toujours d'une baisse du PIB. Le taux de croissance annuel, alors qu'on le note, le TCA. Le TCA, c'est un indicateur d'évolution appliqué au PIB, permet de mesurer l'évolution du PIB entre une année et l'année précédente ou entre deux années successives. On le note, le PIB, donc le TCA du PIB, T, alors qui se calcule de la manière suivante, PIB T moins le PIB T moins 1, donc l'année précédente, et sur le PIB T moins 1 fois 100. Comme vous le savez, donc, un taux de croissance est un indicateur d'évolution. Il peut être positif, alors ce taux de croissance peut être positif ou négatif. Le TCA du PIB, s'il est positif, automatiquement, ça signifie une augmentation du PIB. S'il est négatif, ça signifie une baisse du PIB. Alors, pour répondre à la question, ici, cette question, donc, la réponse à la question est nuancée. C'est-à-dire, on peut affirmer qu'une baisse du PIB, une baisse plutôt du TCA du PIB, alors, peut être accompagnée, voilà, est accompagnée, alors, d'une baisse du PIB. Dans le cas où le TCA du PIB est négatif, c'est-à-dire il diminue, donc le TCA, s'il diminue et devient négatif. Dans ce cas-là, le PIB diminue. Et c'est une phase ici, l'économie passe par une phase de dépression. Alors, toutefois, le TCA peut diminuer tout en restant positif. Et j'ai dit tout à l'heure, tout taux de croissance positif signifie une augmentation du PIB. Dans ce cas-là, on assiste à une augmentation du PIB, le PIB augmente, mais comme le TCA alors, qui diminue malgré qu'il est positif, donc cette augmentation du PIB est une augmentation ralentie.
Donc, dans ce cas-là, le TCA, il diminue tout en restant positif. Il s'agit là d'une augmentation du PIB, mais à un rythme ralenti. Et donc, ici, l'économie passe par, c'est une phase de récession. Donc, il y a toujours une relation entre les deux, madame. Bien sûr. Alors, je vais, on va voir donc sur un tableau, je vais prendre un exemple fictif pour montrer aux élèves comment ceci peut se passer. Donc, je vais prendre de trois années, alors 2011 par exemple, 2012, c'est un exemple fictif, 2013, je vais prendre le TCA du PIB en pourcentage bien sûr, n'oubliez pas dans le calcul des taux de croissance de mettre le pourcentage. Alors le TCA du PIB, je vais prendre à titre d'exemple 3%, 2% et moins 1%. Vous voyez ici comment le taux de croissance diminue. Donc, le TCA a diminué. Alors, dans ce cas-là, le PIB alors, reste, donc il augmente, d'accord, parce qu'on a un taux de croissance positif, alors, mais à la baisse. À la baisse, le TCA, bien sûr, du PIB. Il est à la baisse. D'accord. Donc, on a passé de 3% à 2%. C'est le taux de croissance où le TCA a diminué tout en restant positif. Donc, le PIB augmente. Et comme le TCA, il est positif mais à la baisse, donc le PIB augmente mais à un rythme ralenti. Donc, c'est une phase de récession. Dans le cas... Le deuxième cas, vous voyez ici comment le taux de croissance, il a diminué, mais il est devenu négatif. Donc, on a dit, si le taux de croissance est négatif, ça veut dire que la grandeur diminue. Dans ce cas, c'est le PIB. Donc, on a une baisse du PIB. Le PIB diminue puisque son taux de croissance, donc, il est négatif. Et on passe ici, donc, par une phase de dépression. Alors, je récapitule. Pour répondre à la question, donc, une baisse du taux de croissance annuel du PIB n'est pas toujours accompagnée par une baisse de son PIB. Tout dépend, d'accord, donc, du taux de croissance s'il baisse, donc, en restant positif ou en devenant négatif. Merci, madame. إذا كان فما شكون يناش ميعطي إضافة بالنسبة للسؤال هذايا. دونك نتعديو للسؤال اللي من بعد نرجع مره اخرى المدام ماجده سيار العياري اذا كان فما سؤال اخر ناخذوه معك مدام. Oui, nous avons reçu à plusieurs reprises des interrogations portant sur le rôle des exportations dans la croissance économique. Donc, la question est la suivante: comment les exportations de biens et de services favorisent-elles la croissance économique? Merci, je reprends la question. Comment les exportations de biens et de services favorisent-elles la croissance économique? Merci, madame. Si Fawzi El-Gamoudi, tfadl, bahdena. نحب نذكر اللي على 71 845 300 ولا على 71 848 808 ناخذ مكالمتكم الهاتفيه في عام من زمان لكم انتم مخصصينها لماده الاقتصاد. تفضل سي فوزي. Donc la question c'est comment les exportations de biens et de services favorise-t-elle la croissance économique? Donc pour répondre à cette question, il faut tout d'abord souligner les termes clés, à savoir les exportations et la croissance économique. On commence à définir la notion d'exportation, à savoir la vente à l'étranger de biens et services par des agents économiques résidents. La croissance économique, par définition, c'est l'augmentation à long terme des grandeurs économiques accompagnée par des modifications des structures économiques. Donc la consigne, c'est de montrer comment les exportations de biens et de services favorisent-elles la croissance économique? L'exportation, on la note par X, les exportations. Comment ces exportations favorisent-elles la croissance
économique. Donc, l'objectif de cette question, c'est de montrer comment les exportations favorisent-elles la croissance. Monsieur, l'exportation permet en premier lieu à un pays de produire à grande échelle. Produire à grande échelle. Aussi, l'exportation permet d'élargir les débouchés. Et enfin, cela permet d'augmenter les recettes en devises. Pour la première situation, produire à grande échelle. Pourquoi ? Parce que l'exportation représente une demande additionnelle, c'est une demande additionnelle ou supplémentaire qui s'adresse aux entreprises nationales. Et dans ce cas, les entreprises seront incitées à augmenter la production et donc réaliser des économies d'échelle, ce qui permet donc la réalisation des économies d'échelle. Et par l'économie d'échelle, le coût moyen diminue et les prix diminuent, ce qui entraîne une baisse du coût moyen et des prix. Et par conséquent, la compétitivité s'améliore. Et donc, amélioration de la compétitivité. Cette amélioration de la compétitivité stimule davantage les exportations et la production, ce qui favorise la croissance économique. D'autre part, سي فوزي سامحني مرة أخرى بصراحة نفس الملاحظة خاطر جاتنا من التلامذة اللي يتفرجوا فينا مرة أخرى نطلبوا منك أنك تكبر لهم في الكتيبة باش نجموا يتبعوك. D'autre part, l'exportation permet d'élargir les débouchés parce que l'exportation, c'est une composante de la demande globale. Tant que c'est une composante de la demande globale, ce qui incite les entreprises à investir, donc augmentation des investissements notés par I, et donc de créer des emplois, de distribuer des revenus supplémentaires, donc augmentation des revenus notés par grand R, etc. Et donc il va y avoir une augmentation des grandeurs économique qui stimule ou qui favorise la croissance économique du pays. Enfin, l'augmentation des exportations permet d'augmenter les recettes en devises. Et par conséquent, on peut financer les importations et donc améliorer le solde commercial du pays. On peut aussi rembourser les dettes. Et par conséquent, réduire l'endettement. Et enfin, cela permet de financer les investissements. Les investissements en infrastructures de base, notamment telles que la construction des écoles, la construction des routes, des ports, des aéroports, et cela dynamise la croissance économique. Donc, ces trois facteurs, pris séparément ou ensemble, permettent de favoriser la croissance économique. Et donc, on peut dire que les exportations tirent sur la croissance économique. Merci. Merci, Ostéd Fawzi El-Gamoudi.
دونك كانت هذا او كان هذا السؤال الثاني اللي طرحتوه انتم مع الاساتذه اللي موجودين بحذنا اليوم، مدام ألفة المزوري، مدام هدى عبد ربو، سي بشير البجاوي وسي فوزي الجامودي. بيان سور مكملين معاكم حتى الخمسة متاع العشيه. اذا كان عندكم سؤال في ماده الاقتصاد 71845300 71848808 نحب نرجع لمدام مجده سيار العياري، متفقده المدارس والمعاهد الثانويه، متخصصه في ماده الاقتصاد. كان فما سؤال آخر مدام ناخذو معاك. Alors on continue avec les questions. Un élève demande de comparer la filiale relais à la filiale atelier. Donc la question est comparer la filiale relais à la filiale atelier. Je répète la question, comparer la filiale relais à la filiale atelier. Merci. Merci madame. Donc نستقبلك بحذايا سي بشير البجاوي. نجيبو على السؤال. Bien sûr. Donc, la question, c'est de comparer la filiale relais à une filiale atelier. Le travail demandé, c'est de faire une comparaison et tous les élèves sachent que la comparaison consiste à présenter les points communs et les points différents. Points communs ou bien points de ressemblance et les points différents. Tout d'abord, les filiales relais et filiales ateliers, ce sont des filiales implantées par les firmes multinationales. Une FMN est une entreprise qui exerce originaire d'un pays et qui exerce ses activités à travers des succursales ou bien des extensions appelées aussi filiales à l'étranger. Notre question traite la comparaison entre filiales relais et filiales ateliers, donc nous devons dégager les points communs et les points différents entre ces deux formes de filiales implantées par les firmes multinationales dans le pays d'accueil. Il est préférable, bien sûr, de présenter cette comparaison dans un tableau. Et la présentation sera comme suit. Nous avons les points communs. Entre filiale relais et filiale atelier, mais aussi nous avons les points différents. Et présenter un tableau, c'est l'un des astuces pour bien réussir sûr, la question. J'ai bien dit qu'il est préférable de présenter un tableau. Et c'est déjà plus facile pour les élèves. Là, on va mettre une filiale relais et à droite, filiale atelier. Bien sûr, ces deux formes de filiales sont des succursales implantées par une FMN à l'étranger. Mais la particularité ou bien le point commun entre ces deux formes de filiales, c'est que ces deux formes de filiales ont une activité de production dans le pays hôte. Donc, ces deux formes de filiales ont une activité de production dans le pays d'accueil ou le pays hôte. Concernant les points différents, tout d'abord, les élèves connaissent que
les filiales relais produisent des produits de la même gamme que les produits fabriqués par la maison mère. D'ailleurs, ce sont des copies conformes de leur maison mère dans le pays d'accueil. Donc, produire dans le pays hôte la même gamme de produits que la maison mère. Concernant les filiales ateliers, produisent une partie ou bien sous-partie du produit global. Donc, produire un composant ou bien une partie ou sous-partie du produit global. Bien sûr, les filiales ateliers se sont développées dans le cadre de la décomposition internationale du processus de production pour une plus grande efficacité productive des firmes multinationales. Le deuxième point de différence entre les filiales relais et les filiales ateliers, c'est que les filiales relais ont une activité commerciale dans le pays hôte, puisque ces filiales produisent et commercialisent dans le pays d'accueil des produits fabriqués par, ou bien leurs propres produits. Donc, commercialiser dans le pays hôte leurs propres produits. Par contre, les filiales ateliers n'ont pas une activité commerciale dans le pays hôte, c'est plutôt exportent les composants fabriqués vers les autres, vers la maison mère ou bien vers les autres filiales de montage. Donc, exporter vers la maison mère ou les autres filiales de montage. Et de cette façon, on a fait la comparaison entre la filiale relais et la filiale atelier d'une firme multinationale. سي بشير البجاوي ميرسي بوكو يعيشك مكملين معاكم مع الاساتذه اللي موجودين بحضنا في البلاتو حتى الخمسه نتاع العشيه مع ماده الاقتصاد واسئلتكم انتم اللي قاعده توصلنا على 71 845 300 ولا على 71 848 808 بيان سور في كل اجابه فما استوس قاعدين يعطيو فيه الاساتذه في كيفاش معناتها فو بريزونتي لا ريبونس نتاعكم ولا حتى كيفاش نجموا فو ديكورتيكي لا كيستيون دونك ان شاء الله بنجاح للي يتبعوا فينا الكل كما قلت هذه نتاع كتروشيكات الاخرانيين وانتم هكا تراجعوا وتجي سؤال على ذهنكم احنا معاكم حتى نهار 3 جوان كل يوم ماده من المواد ومجموعه من اكفأ الاساتذه يكونوا حاضرين معنا في البلاتو باش يجاوبوا على اسئلتكم انتم نرجع ناخذ سؤال اخر تفضلوا. Donc d'autres élèves veulent savoir comment la hausse des salaires contribue à la croissance économique. La question est donc la suivante: comment la hausse des salaires contribue-t-elle à l'accroissement des richesses créées? Madame Samia Al-Fahri Ben Youssef, merci. Madame Souhel Khditou, Madame Houda Abdrabou, tfadl. Donc, on pose, ou plutôt on écrit la question, comment... C'est pas visible. Il faut changer le stylo. Comment? Donc, comment? C'est bon? Ok. Donc, comment la hausse des salaires contribue-t-elle à l'accroissement des richesses
créée. Donc, pour répondre convenablement et correctement à la question, donc on doit tout d'abord, ou bien l'élève tout d'abord, doit lire attentivement la consigne. Ensuite, il doit repérer les termes clés et par la suite, il doit les souligner. Donc, si on reprend la lecture de la question, comment la hausse des salaires? Donc, la hausse des salaires, c'est notre premier terme clé. Donc, on doit souligner. Contribue-t-elle à l'accroissement des richesses créées? Donc, l'accroissement des richesses créées, c'est le second terme clé auquel donc, l'élève doit faire attention. Donc, la hausse des salaires. Donc, on va démarrer la question avec la hausse des salaires. Donc, pour répondre toutefois, pour répondre donc à la question, tout d'abord, l'élève donc doit répondre au comment. Donc, d'un côté, la hausse des salaires. D'un autre côté, donc, l'accroissement des richesses . Donc, pour répondre à la question, l'élève, comme j'ai dit tout à l'heure, doit répondre au comment. Donc, puisque nous avons donc la hausse des salaires, donc le mot salaire, donc que désigne salaire? Salaire, tout simplement, le salaire, c'est donc un revenu de travail salarial en contrepartie d'un effort physique ou bien donc intellectuel fourni par une personne. Donc, comment l'augmentation des salaires contribue à l'accroissement des richesses créées? Tout simplement. Donc, le salaire, tout d'abord, constitue un revenu de travail pour les salariés. Donc, l'augmentation des salaires, donc, génère la possibilité d'une amélioration du pouvoir d'achat des salariés. Donc, elle entraîne une augmentation du pouvoir d'achat. L'augmentation du pouvoir d'achat, donc, à son tour, donc, permet d'accroître la consommation. Donc, on va noter C. PA, donc, c'est pouvoir d'achat. Et l'augmentation de la consommation, à son tour, donc, favorise l'accroissement des richesses créées. Donc, c'est la première idée auquel l'élève doit, bien sûr, penser ou bien réfléchir. La deuxième idée, toujours dans le même contexte de la question, donc, comment la hausse des salaires contribue-t-elle à l'accroissement des richesses créées? Donc, on démarre toujours, donc, le point de départ, c'est l'augmentation des salaires. Donc, l'augmentation des salaires, en plus, donc, de l'accroissement du pouvoir d'achat, de l'accroissement de la consommation, donc, la hausse des salaires permet d'épargner plus. Donc, elle entraîne une augmentation de l'épargne. Et, donc, l'augmentation de l'épargne, à son tour, permet de quoi? Donc, elle permet de financer de nouveaux investissements. Donc, elle génère un accroissement de l'investissement. Et l'investissement, donc, c'est un facteur de croissance économique, d'ailleurs. Donc, l'investissement, c'est une section qui est donc présente dans le programme de la quatrième année en tant que facteur de croissance économique. Donc, l'accroissement de l'investissement génère à son tour l'accroissement des richesses créées. Donc, richesses créées, ou bien c'est la production en termes macro-économiques. Donc, on poursuit toujours. Donc, troisième idée, l'augmentation des salaires aussi permet de motiver les travailleurs, donc génère plus de motivation. Donc, plus les travailleurs sont motivés, plus ils deviennent productifs. Oui, donc plus ils sont motivés, plus donc ils deviennent productifs. Donc, la productivité est très intéressante aujourd'hui, de nos jours. Donc, l'augmentation de la productivité qu'on va noter, donc PTE, productivité du travail, bien sûr. D'ailleurs, donc, si on peut donc ouvrir une petite parenthèse concernant la productivité, donc l'élève en vue, donc, dans le programme de la troisième année, l'organisation de travail. Et parmi donc les différentes organisations, c'est le Fordisme. Et le Fordisme, c'est-à-dire, donc, on reprend un peu donc Ford. Et parmi les principes énoncés par Ford, c'est quoi? C'est le doublement des salaires. Et en fait, il a doublé les salaires tout simplement pour augmenter le rendement ou bien la productivité des travailleurs. L'accroissement de la productivité, bien sûr, donc, permet d'accroître les richesses créées. Finalement, on peut ajouter une quatrième idée pour montrer toujours, bien plutôt expliquer comment la hausse des salaires contribue à l'accroissement des richesses créées. Donc, l'augmentation des salaires aussi génère, favorise l'augmentation des recettes de l'État. Donc, généralement, donc à travers l'augmentation des impôts directs et des impôts indirects. Donc, l'augmentation des recettes de l'État qu'on va noter RE, donc génère aussi une augmentation des dépenses de l'État, notamment l'investissement. Et bien sûr, l'augmentation des dépenses de l'État à travers l'augmentation de l'investissement comme exemple, bien sûr, donc entraîne l'accroissement des richesses créées. Donc, si on résume, on récapitule, donc qu'est-ce qu'on va dire? Que à travers ces quatre idées, donc on a pu montrer, ou là, j'ai pu donc montrer que la hausse des salaires contribue à l'accroissement des richesses créées via l'augmentation de la consommation, via l'augmentation de l'épargne, via l'augmentation de la productivité des travailleurs et enfin via aussi l'augmentation des recettes de l'État.
Merci, merci madame. De toute façon, c'est tout ce qu'on espère pour notre Tunisie, hein, une augmentation des exportations et aussi la productivité pour qu'on puisse donc augmenter les richesses créées et bénéficier bien sûr par la suite. Et de toute façon, on s'adresse pour nos futurs économistes. Donc, Inch'Allah Benjeh. ليكم تتابعوا فينا نذكر اذا كان ما قلتش قبلها نقول لكم تويكا الدرس هذايا يتعاود نهار الاربعاء 7:30 يتعاود نهار الاربعاء 7:30 تاع العشيه وديما على الوطنيه الثانيه مازلنا نستقبلوا في مكالماتكم على 71 845 300 او 71 848 808 ميرسي اللي شاركتوا معنا وميرسي على الاسئله الحلوه هذيا نرجعوا للانكس سؤال اخر اذا كان موجود تفضلوا Alors oui, donc nos futurs bacheliers voudraient des précisions sur la notion du commerce intra-firme. Donc la question qui peut être posée, qu'est-ce que le commerce intra-firme ? Merci Madame Bouthaina Mlaouhia Ben Vief. Donc Narjo Lik, Madame Olfa Lmzour. هذا ستيلو. نسيش نبدل ستيلو. Alors je reprends la question. On dit d'article stylo Arthur, cadeau. Merci. Qu'est-ce que le commerce intra-firme? Alors, pour cette question, il s'agit donc qu'est-ce que, c'est-à-dire, je vais identifier et caractériser alors le commerce intra-firme. Donc le mot-clé de cette question c'est le commerce intra-firme. Donc intra-firme, firme, c'est-à-dire ici on vise la firme multinationale. Alors le commerce intra-firme, c'est un commerce donc intra-firme, la firme multinationale, mon collègue il a rappelé la définition de la firme multinationale, qui est une firme originaire d'un pays et ayant des activités en dehors de son pays d'origine. Alors, le commerce intra-firme, c'est un commerce donc intra, c'est-à-dire c'est un commerce interne à la firme. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'une firme multinationale est composée d'une maison mère et d'un ensemble de filiales implantées en dehors de son pays d'origine. Le commerce intra-firme est réalisé entre la firme mère et les filiales, donc de la même firme, bien sûr, implantées dans des pays différents ou entre filiale. C'est pour cela il est dit donc commerce intra-firme. Donc il se réalise dans l'espace clos de la firme. Alors ce commerce il porte sur un ensemble de produits. Alors il porte notamment sur des biens de production telles que les matières premières. Je prends l'exemple d'une filiale commerciale d'approvisionnement. Donc, cette filiale peut approvisionner la maison mère en matières premières. Alors, peut porter aussi sur des biens de production comme alors, du transfert de technologie ou de biens d'équipement, tel que pour le cas d'une filiale relais, par exemple. Aussi, il peut porter sur des composants de produits. Ou des produits semi-finis. D'accord. Dans le cadre, par exemple, de filiales atelier, donc dans le cadre de la DIP, des produits semi-finis, composant donc des produits finaux, ou encore peuvent porter sur des produits finis, tels que pour le cas d'une filiale commerciale donc de distribution. Ce commerce-là, il est dit international, c'est un commerce international, puisque
les flux d'échanges franchissent les frontières et se transforment en exportation et en importation. Donc, puisque chaque filiale est située à l'extérieur donc du pays d'origine de la firme, chaque filiale est implantée dans un pays, alors hôte ou pays d'accueil différent de son pays d'origine. Alors, ce commerce intra-firme, il est qualifié de commerce captif. C'est un commerce dit captif. Alors, cette qualification de commerce captif est liée à l'évaluation des flux qui se déterminent hors marché, c'est-à-dire dans l'espace clos de la firme. Alors, les prix de ces, donc, sont déterminés entre la maison mère et les filiales, donc en dehors du marché. C'est pour cette raison. Ce commerce, il est qualifié de commerce captif. Alors, je récapitule, le commerce intra-firme, c'est un commerce interne à la firme, c'est un commerce international. Il peut porter sur aussi bien des biens de production, des composants de produits ou des produits finis. Et c'est un commerce qualifié de commerce captif dans la mesure où il est évalué dans l'espace clos de la firme. Merci beaucoup, madame. Yihalik, j'ai ouvert la question. مواصلين مع بقية الأسئلة. ترى شوفوا السؤال اللي جينا من بعد شو يقول. تفضلوا. Une autre question à porter sur la nouvelle dite division internationale du travail. Donc la question est la suivante. Caractériser la nouvelle division internationale du travail. Je reprends la question. Caractériser la nouvelle division internationale du travail. Merci. سي فوزي الجامودي هذا سؤال عطاته لنا مدام سامية الفهري بن يوسف تفضل دونك لا كيستيون سي كاركتيريزي كاركتيريزي لا نوفيل ديفيزيون la nouvelle division internationale du travail. Du travail. D'accord. Donc, le mot-clé de cette question, c'est la division internationale, la nouvelle division internationale du travail. Donc, concernant la division internationale du travail, par définition, la division internationale du travail, c'est une répartition des activités productives entre les pays, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, selon la spécialisation de chaque pays. Si on dit la nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a, par rapport à l'ancienne division internationale du travail, qui se caractérise par la spécialisation des pays en développement dans la production et l'exportation des produits primaires ou produits de base, c'est-à-dire produits agricoles ou matières premières, généralement à faible valeur ajoutée. Et la spécialisation des pays développés dans les produits industriels, les produits manufacturés à forte intensité de capital. À partir des années 1970, une nouvelle spécialisation internationale a été mise en place et qui se caractérise par des changements au niveau des spécialisations des pays. Pour les pays industrialisés, ou pays développés, donc ces pays se spécialisent dans la production et l'exportation, notez X, exportation, des produits manufacturés de haute technologie. C'est-à-dire des produits à forte intensité de capital,
à forte demande mondiale, à forte valeur ajoutée et qui sont compétitifs. Et ces pays, c'est-à-dire les pays industrialisés, continuent à dominer le commerce mondial. Alors que pour les pays en voie de développement, qu'on les note par PED, les pays en voie de développement, certains pays, à savoir les pays émergents, appelés aussi nouveaux pays industrialisés, qu'on les note NPI. Ces pays, d'abord, se spécialisent dans les produits manufacturés banalisés. Donc, d'abord, se spécialisent dans les produits manufacturés banalisés. Qu'est-ce que cela veut dire des produits manufacturés banalisés? C'est-à-dire des produits à forte intensité de main-d'œuvre et à faible valeur ajoutée. Mais ensuite, certains de ces pays ont changé leur spécialisation et sont devenus des pays producteurs et exportateurs de produits manufacturés de haute technologie. C'est-à-dire à forte valeur ajoutée dont la demande mondiale est très élevée. Et ces pays ont réussi à concurrencer les pays développés au niveau du marché mondial. Et par conséquent, on constate qu'il y a une amélioration de leurs termes de l'échange. Donc une amélioration des termes. Si vous changez de De couleur, hein. Monsieur, si vous changez si on change de stylo, de couleur, s'il vous plaît. Oui. Il y a donc amélioration de leurs termes des échanges. Pour l'autre groupe de pays, à savoir les pays les moins avancés, notés par PMA, pays moins avancés, ces pays ont conservé une spécialisation traditionnelle. C'est-à-dire, leur exportation reste concentrée sur un petit groupe de produits de base à faible valeur ajoutée et à faible prix. Pour cela, ces pays restent marginalisés. Marginalisés dans les échanges internationaux quantitativement et qualitativement. Donc, il y a une marginalisation sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Marginalisés quantitativement et aussi qualitativement. Quantitativement, bien sûr, à cause de leur faible contribution dans le commerce mondial, leur part dans le commerce mondial reste toujours limitée et toujours à la baisse. Qualitativement, à cause de la qualité des produits qu'ils exportent, que ce soit des produits primaires à faible prix ou quelques produits banalisés à faible valeur ajoutée. Et donc ces pays subissent une dégradation ou une détérioration des termes de l'échange. Donc, il y a donc une détérioration des termes de l'échange. En conclusion, cette nouvelle division internationale, elle est bénéfique essentiellement pour les pays industrialisés et pour les nouveaux pays industrialisés, mais représente un obstacle essentiellement pour les autres pays en voie de développement, à savoir les pays les moins avancés. Merci. مرسي أبو مرسي عايشك سي فوزي الجامودي إذا كان فهم الأسئلة شكون عنده إضافة صغيرة قبل أن نمشي للسؤال اللي ما بعد Donc, Monsieur Fawzi Khal, donc il a dit pardon, qu'ils sont composés de produits agricoles. Donc les produits de base composés de produits agricoles et des produits des industries extractives, c'est-à-dire produits miniers et énergétiques. Juste une petite manière
remarques concernant les produits de base. C'est pas grave, bien sûr. Merci, Mara Okhra, Sifa Ouzil Gamoudi. Donc, نخذوا سؤال آخر حبيت نذكر بركة الناس اللي يكلموا فينا تويكا تلامذة سورتو اللي يكلموا فينا تويكا وعندهم أسئلة في مادة الاقتصاد مازال تقريبا 10 دقائق إذا كان نجم نستغلهم مليح هالعشرة دقائق هذوما ونأخذ سؤال آخر بعد شوي جاوبنا عليه سي بشير البجاوي تفضلوا إذا كان سؤال حاضر نأخذه معكم هلا Oui, plusieurs appels provenant de tous les gouvernorats de la Tunisie ont porté surtout sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique. Faute de temps et pour des raisons pédagogiques, nous avons ici essayé de reformuler les questions afin de répondre au maximum d'élèves. Donc, la première question, quelles sont les externalités que peut engendrer l'investissement? La deuxième, comment l'investissement améliore-t-il la production? Et merci. C'est Béchir. Oui. Zouz, moi je vais. Une question. Ah, d'accord. D'accord. Donc, la question, quelles sont les externalités que peut engendrer l'investissement? Donc, on va partir de l'investissement et de présenter les différentes externalités que peut engendrer l'investissement. D'ailleurs, d'abord, l'investissement, c'est une opération qui consiste à acquérir des biens de production durable, c'est-à-dire du capital fixe. Bien sûr, certaines dépenses en service, comme les dépenses de formation, l'acquisition de logiciels, les dépenses de recherche, sont aussi considérées comme des investissements, mais bien sûr, ce sont des investissements immatériels. Concernant les externalités, il y a externalité lorsque l'activité d'un agent économique a un effet sur l'activité ou bien le comportement ou bien sur d'autres agents économiques. Et cet effet peut être positif ou bien négatif, c'est-à-dire favorable ou bien défavorable. Donc, les externalités peuvent prendre deux formes. Externalité positive, mais aussi des externalités négatives. Donc le sens du mot externalité, c'est-à-dire des effets externes. Effets externes. Concernant les externalités positives que peut engendrer l'investissement, nous avons traité cette partie dans l'investissement, comment contribue à l'accroissement de l'offre. Et d'ailleurs, nous avons dit que l'investissement génère une augmentation de l'offre à travers les effets externes positifs ou bien les externalités positives. Pourquoi ? À travers les effets externes positifs, l'investissement génère une augmentation de l'offre de la manière suivante. C'est qu'un investissement d'un agent peut profiter gratuitement à d'autres agents, ce qui génère une augmentation de leur capacité productive. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de l'éducation. L'investissement dans l'éducation peut générer des externalités positives pour d'autres investisseurs qui vont profiter sur le marché d'une main-d'œuvre qualifiée et d'ailleurs ce qui permet d'accroître leur productivité et leur production. Mais l'investissement peut aussi engendrer des externalités négatives et c'est le cas des investissements des FMN dans le pays d'accueil. Lorsque les FMN implantent des filiales à l'étranger, peuvent déplacer des activités polluantes, peuvent aussi surexploiter les ressources naturelles du pays d'accueil, et donc ça porte atteinte à l'environnement et menace leur développement durable. Merci, merci, merci سي بشير. Madame Houdé Abdrabou, تتفضل بحثينا. نجاوبوا على السؤال الاخراني بعد هي باش نحكيوا على ديسيرتاسيون اللي هي بارتي هامه برشا في ليكزامان نتاع ليكونومي. Qui est posée tout à l'heure. Donc, comment je crois. Donc, comment l'investissement. Comment l'investissement améliore-t-il la production? Donc, comme toujours, donc, comme d'habitude, donc l'élève
Donc, doit lire attentivement la question, repérer les termes clés, les souligner. Donc, l'investissement, c'est notre premier terme clé. La production, c'est notre second terme clé. Ici, donc, on va, bien sûr, l'investissement défini tout à l'heure par donc, M. Béchir, c'est l'acquisition des biens de production durable. Donc, l'investissement améliore-t-il la production? Donc, la production, donc, toujours, c'est la richesse créée de biens et de services. Il y a aussi un troisième mot-clé donc, auquel l'élève doit faire attention, c'est le verbe améliorer. Donc, améliorer, c'est-à-dire on va montrer donc, l'impact de l'investissement d'ordre qualitatif, donc sur la production et non pas d'ordre quantitatif. Donc, l'investissement, toujours considéré, donc souvent considéré comme étant vecteur du progrès technique. Vecteur du progrès technique. Donc, il contribue ou bien à l'amélioration de la production. Comment? Tout simplement donc, par l'acquisition de machines donc, performantes, donc l'acquisition de machines nouvelles performantes, sophistiquées, etc., donc, qui permettent de réduire les défauts de fabrication et par la suite de fabriquer des biens qui sont de bonne ou bien de meilleure qualité. Donc, il réduit les défauts de fabrication. Donc, les machines nouvelles, ces machines sophistiquées, permettent de réduire les défauts de fabrication, donc moins de défauts. Réduire, oui, donc réduire les défauts de fabrication et par la suite donc meilleure qualité des produits, donc vendus sur le marché ou bien fabriqués. Aussi donc des chaînes par exemple donc des chaînes de production, de production automatisées et robotisées donc permettent la diversification et aussi donc permettre la diversification donc, et la différenciation des produits, donc assurer une plus grande diversification et différenciation des produits et par la suite donc, afin de répondre tout simplement aux besoins des clients hein, qui sont devenus aujourd'hui de plus en plus exigeants, par donc comment tout simplement une simple programmation de la machine rend possible la production ou bien la fabrication de deux modèles, voire plusieurs modèles d'un même produit. Et aussi donc l'investissement, en outre, donc on peut ajouter une autre idée hein, pour répondre à la question, donc les investissements dans l'homme, surtout donc à travers la formation professionnelle, la formation continue, donc permettent donc d'avoir une main-d'œuvre qui est capable donc d'innover, qui est capable donc de bien sûr de réduire les défauts de fabrication et par la suite de proposer des produits plus diversifiés et plus différenciés. Merci. مدام هدى عبد ربو نعطيو الكلمة مباشرة للسيدة ماجدة سيار العياري متفقدة أولى متفقدة أول ميرسي nous avons reçu plusieurs appels concernant la dissertation. Les élèves s'inquiètent et se demandent comment s'y prendre pour rédiger correctement un développement structuré. Pour les rassurer, chers élèves, je vous dirai que tout au long de l'année, vous avez poursuivi avec vos enseignants un apprentissage progressif pour développer certaines compétences et je suis sûre que vous les avez maîtrisées. Bon, c'est normal d'avoir l'impression de tout oublier. Il suffit pour élaborer correctement votre dissertation de mettre en application les recommandations qui ont été données au cours de l'année par vos professeurs. Parmi ces recommandations, je vais tenter de vous rappeler les recommandations les plus importantes, faute de temps, notamment les étapes à suivre. La première étape à suivre est de bien lire le sujet et le délimiter. Reviens à bien lire l'énoncé et là, vous soulignez les mots importants, les mots-clés, parce que vous allez avoir besoin de ces mots pour les définir par la suite dans l'introduction. Vous soulignez aussi les verbes d'action qui vont vous aider à comprendre la problématique, à délimiter le sujet. La deuxième étape consiste à rechercher un plan en deux ou trois parties. C'est un plan que vous allez aussi annoncer dans votre introduction. Et vous mettez en évidence les parties de votre développement, dans votre développement. Et vous essayez aussi de le relier par des phrases de transition. Si le sujet vous fournit clairement le plan à suivre, et c'est très fréquent au baccalauréat, là, contentez-vous alors de reprendre ce plan dans le devoir. L'étape suivante, c'est de bien lire les documents. Essayez là de dégager les idées essentielles qui vous semblent utiles à répondre à la problématique posée. Si vous avez l'intention de tout oublier, rassurez-vous, ces documents vont jouer le rôle de vous donner ces informations, de rafraîchir votre mémoire et de vous rappeler votre cours. N'oubliez pas de noter ces idées au brouillon. D'accord ? Par la suite, au cours de cette étape,
Vous essayez de mobiliser vos connaissances du cours et celles qui ont été données par les documents, vous les mettez au brouillon et vous les mettez en ordre dans un plan cohérent. Passez par la suite à la rédaction au brouillon d'une introduction et d'une conclusion. La dernière étape, c'est la rédaction au propre de votre dissertation. Donc là, je vous conseille de bien soigner la présentation de votre copie et de reliser ce que vous avez écrit afin de corriger les erreurs qui se sont glissées. Merci. Là, je vous souhaite, mes chers élèves, la bonne révision et je souhaite la bonne réussite à tous mes chers élèves de toute la Tunisie. Bonne chance et la bonne réussite aussi dans la vie. Il n'y a pas que les examens. Au revoir. Merci. Merci. مرسي لك انت مدام مجده سيار العياري متفقده المدارس والمعاهد الثانويه واختصاصها الاقتصاد زاد للاساتذه اللي كانوا بحذاك مدام بثينه ملوحيه بن ضياف ومدام ساميه الفهري بن يوسف مرسي لكم الاساتذه اللي كانوا حاضرين بحذنا مدام هدى عبد ربو مرسي سي بشير بجاوي مرسي مدام الفا المزوغي يعطيك الصحه زاد سي فوزي القامودي يعطيك الصحه وانتم تفرجتوا فينا ان شاء الله حصلت الفائده من خلال الدرس هذايا 7:30 ان شاء الله باش يكون الدرس نتاعنا في الفرنسيه تابعونا 7:30 ديما الارقام الهاتف موجوده على ذمتكم 71 845 300 والا ايضا 71 848 808 بون كوراج بوكو دو كوراج ليكم اللي تحضروا في البكالوريا ان شاء الله بنجاح بسلامه